Salut, amis de la science! Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des logarithmes. Je sais ce que vous vous dites peut-être. Des bûches? Celles qui brûlent dans la cheminée? Accrochez-vous bien, car nous parlons d'un autre type de logarithme, le logarithme mathématique. En termes simples, un logarithme répond à la question suivante. À quelle puissance faut-il élever la base pour obtenir un nombre donné? Par exemple, le logarithme de 100 en base 10 est égal à 2. Pourquoi? Parce que 10 puissance 2 est égal à 100, 10 au carré est égal à 100. Vous voyez? Tout est une question de relation. Les logarithmes peuvent sembler un peu abstraits au premier abord. Mais croyez-moi, ce sont des outils incroyablement utiles pour résoudre un large éventail de problèmes. Et vous savez ce qu'il y a de mieux? Ils ont un ensemble de règles pratiques qui rendent le travail avec eux plus facile que jamais. Découvrons ensemble les secrets des règles des logarithmes. Alors, pourquoi devrions-nous nous soucier de ces fameuses règles des logarithmes? Imaginez que vous essayez d'abattre un arbre énorme avec un petit canif. Assez difficile, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez que vous avez une tronçonneuse puissante. C'est exactement ce que les règles des logarithmes font pour nous dans le monde des mathématiques. Les règles des logarithmes sont comme des astuces mathématiques qui nous permettent de simplifier des expressions complexes, de résoudre des équations complexes et de naviguer facilement dans le monde des puissances. Elles nous fournissent un ensemble de formules élégantes qui transforment les expressions logarithmiques lourdes en éléments faciles à gérer. Et ces règles ne sont pas réservées aux mathématiciens. Elles ont des applications concrètes dans des domaines tels que les sciences, l'ingénierie, l'économie et même la musique. Comprendre les règles des logarithmes nous donne le pouvoir de résoudre un large éventail de problèmes impliquant des relations exponentielles. Commençons par la règle du produit, l'une des règles les plus fondamentales des logarithmes. Cette règle nous dit que le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes des facteurs individuels. Cela semble compliqué? Ne vous inquiétez pas, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Voici la formule. Log en base b de m fois n est égal à log en base b de m plus log en base b de n. Cela signifie que si nous avons un logarithme d'un produit, nous pouvons le décomposer en une somme de logarithmes de chaque facteur. Par exemple, supposons que nous voulions trouver le logarithme de 1000, qui est égal à 10 fois 10 fois 10, en base 10. En utilisant la règle du produit, nous pouvons écrire log en base 10 de 1000 est égal à log en base 10 de 10 fois 10 fois 10. Ce qui est égal à log en base d'x de d'x plus log en base d'x de d'x plus log en base d'x de d'x. Ce qui est égal à 1 plus 1 plus 1, ce qui est égal à 3. Vous voyez? La règle du produit rend la multiplication un jeu d'enfant. Maintenant, allons un peu plus loin. La règle du produit n'est pas qu'une astuce. C'est un outil puissant qui simplifie les calculs complexes. Imaginez que vous ayez besoin de multiplier de grands nombres, comme 123 et 456. Calculer leur produit directement peut être fastidieux. Mais avec la règle du produit, vous pouvez la décomposer en parties plus petites et plus faciles à gérer. En transformant la multiplication en addition, vous pouvez simplifier le processus et réduire le risque d'erreur. Ceci est particulièrement utile dans des domaines tels que l'ingénierie, l'informatique et l'économie, où la précision et l'efficacité sont essentielles. Les logarithmes sont utilisés pour mesurer l'intensité sonore, la magnitude des tremblements de terre et même dans les algorithmes d'analyse de données. Comprendre la règle du produit peut vous donner un avantage significatif dans ces domaines. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un problème de multiplication complexe, souvenez-vous de la règle du produit. Elle transforme la multiplication en addition, rendant vos calculs plus faciles et plus efficaces. Avec de la pratique, vous constaterez que cette règle devient une seconde nature et que vous pouvez résoudre facilement même les problèmes les plus difficiles. Continuez à pratiquer et vous découvrirez bientôt à quel point les logarithmes peuvent être puissants et polyvalents pour simplifier votre voyage mathématique. Bon calcul! Chapitre 4. La règle du quotient. De la division à la soustraction.
Dans ce chapitre, nous allons explorer le monde fascinant des logarithmes et apprendre comment ils simplifient les problèmes de division complexe en simple soustraction. Ensuite, nous avons la règle du quotient, qui est comme le jumeau de la règle du produit. Alors que la règle du produit traite de la multiplication à l'intérieur des logarithmes, la règle du quotient traite de la division. Cette règle est incroyablement utile dans diverses applications mathématiques et réelles. Cette règle concerne la division à l'intérieur des logarithmes et stipule que le logarithme d'un quotient est égal à la différence entre le logarithme du numérateur et le logarithme du dénominateur. Cela signifie qu'au lieu d'effectuer l'opération de division, nous pouvons simplement soustraire les deux logarithmes, ce qui simplifie considérablement nos calculs. Voici à quoi cela ressemble mathématiquement. Log en base b de m divisé par n est égal à log en base b de m moins log en base b de n. Cette formule est un outil puissant pour simplifier les expressions logarithmiques et résoudre efficacement des problèmes complexes. Essentiellement, si nous avons un logarithme d'une fraction, nous pouvons l'exprimer comme la différence entre le logarithme du nombre supérieur, ou numérateur, et le logarithme du nombre inférieur, ou dénominateur. Cette transformation n'est pas qu'une astuce mathématique. Elle a des applications pratiques dans des domaines tels que l'ingénierie, l'informatique et même l'économie. Illustrons cela par un exemple. Les exemples sont un excellent moyen de voir la règle du quotient en action et de comprendre son application pratique. Supposons que nous voulions trouver le logarithme de cent, qui est égal à 1000 divisé par 10, en base d'x. Cela peut sembler une tâche ardue au début, mais avec la règle du quotient, cela devient assez simple. En appliquant la règle du quotient, nous obtenons log en base 10 de 100 est égal à log en base 10 de 1000 divisé par 10, ce qui est égal à log en base 10 de 1000 moins log en base 10 de 10, ce qui est égal à 3 moins 1, ce qui est égal à 2. Cette ventilation étape par étape montre comment la règle du quotient simplifie le processus. La règle du quotient transforme la division en un simple problème de soustraction. Non seulement cela accélère les calculs, mais cela réduit également le risque d'erreur. Comprendre et appliquer la règle du quotient peut améliorer considérablement vos capacités de résolution de problèmes en mathématiques et au-delà. Donc, la prochaine fois que vous rencontrerez un problème de division à l'intérieur d'un logarithme, souvenez-vous de la règle du quotient. C'est un outil pratique qui transforme une division complexe en une simple soustraction, rendant votre voyage mathématique plus fluide et plus agréable. Continuez à pratiquer et bientôt la règle du quotient deviendra une seconde nature. Bon calcul! Chapitre 5. La règle de la puissance. Ramener les exposants sur Terre. Aujourd'hui, nous allons aborder un concept qui peut souvent sembler intimidant, mais qui est en fait assez simple une fois que vous l'avez compris. Parlons maintenant de la règle de la puissance, une règle qui nous aide à gérer les exposants à l'intérieur des logarithmes. Cette règle est un outil puissant en mathématiques, en particulier lorsque nous avons affaire à de grands nombres ou à des équations complexes. Cette règle stipule que le logarithme d'un nombre élevé à une puissance est égal à l'exposant multiplié par le logarithme de la base. En termes plus simples, cela nous permet de faire descendre l'exposant devant le logarithme, ce qui rend l'équation plus facile à manipuler. Mathématiquement, cela ressemble à ceci. Log en base b de m à la puissance n est égal à n multiplié par log en base b de m. Cela peut sembler un peu intimidant à première vue, mais décomposons-le étape par étape. Cela signifie que nous pouvons faire descendre l'exposant devant le logarithme et le multiplier. Plutôt cool, non? Cette simplification est particulièrement utile dans divers domaines, tels que l'ingénierie, l'informatique et même l'économie. Par exemple, supposons que nous voulions trouver le logarithme de 10 000, ce qui est égal à 10 à la puissance 4, en base d'x. Cela peut sembler une tâche ardue, mais avec la règle de la puissance, cela devient beaucoup plus facile. En utilisant la règle de la puissance, nous pouvons écrire log en base 10 de 10 000 est égal à log en base 10 de 10 à la puissance 4. En appliquant la règle de la puissance, nous déplaçons l'exposant 4 devant le logarithme.
Cela devient 4 multiplié par log en base 10 de Dix. Puisque le logarithme de 10 en base 10 est égal à 1, nous pouvons simplifier cela davantage. Donc, cela devient 4 multiplié par 1, ce qui est égal à 4. Cet exemple simple montre comment la règle de la puissance peut rendre les calculs complexes beaucoup plus faciles à gérer. La règle de la puissance rend le travail avec les exposants beaucoup plus facile. En comprenant et en appliquant cette règle, vous pouvez aborder en toute confiance un large éventail de problèmes mathématiques. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un exposant à l'intérieur d'un logarithme, souvenez-vous de la règle de la puissance et ramenez cet exposant sur Terre.